Hello tout le monde, c'est Falcon et bienvenue à vous les amis sur une toute nouvelle série en Let's Play Live sur un nouveau jeu d'horreur que je connais quand même mais qui va vous faire plaisir, j'en suis sûr, à savoir Resident Evil 4. Je vous rappelle que j'avais fait un dual commentary en live Resident Evil 5 et 6 sur la chaîne secondaire d'Adran qui est bien sûr dans ma subbox. D'ailleurs, coucou à toi si tu regardes cette vidéo. Je suis en compagnie de la Web TV de Level Down à qui je fais des gros bisous et merci à vous de votre fidélité. On est actuellement le 11 novembre, 23h12. On est parti à peu près pour 3 heures de recording. Et j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos suggestions et commentaires dans la barre, justement, qui lui est allouée, à savoir en dessous du streaming. Allez, les amis, je vous propose que nous fassions nouvelle partie. Resident Evil. Et n'hésitez pas à me dire que tout est OK au niveau du son du commentary, car vous savez que c'est le premier jet que nous faisons pour le jeu. 1998. I'll never forget it. It was the year when those grisly murders occurred in the Arklay Mountains. Soon after, the news was out to the whole world, revealing that it was the fault of a secret viral experiment conducted by the international pharmaceutical enterprise, Umbrella. The virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City, and hit the peaceful little town with a devastating blow crippling its very foundation. Not taking any chances, the President of the United States ordered a contingency plan to sterilize Raccoon City. With the whole affair gone public, the United States government issued an indefinite suspension of business decree to Umbrella. Soon its stock prices crashed, and for all intents and purposes, Umbrella was finished. Six years have passed since that horrendous incident. I received special training via a secret organization working under the direct control of the president. I was to assume the responsibility of protecting the new president's family. Cornel, why am I the one who always gets me short end of the stick? You, who are you really? Come on and tell us. You are a long way from home, cowboy. You have my sympathies. Guess that's a local's way of breaking the ice. Anyway, you know what this is all about. My assignment is to search for the president's missing daughter. What? All by yourself? I'm sure you boys didn't just tag along so we could sing Kumbaya together at some Boy Scout bonfire. Then again, maybe you did. Oh, you crazy American. It's a direct order from the chief himself. I tell you, it's no picnic. I'm counting on you guys. J'ai l'impression que cette remix, un petit peu cette remasterisation HD, pour l'instant n'apporte rien au niveau visuel, au niveau des cinématiques. Je rappelle que le jeu de base est sorti en exclusivité sur GameCube et après sur PS2 et après sur plusieurs supports. Dont la Xbox, la PS3, la PS4, Xbox One. Take on my duties of protecting the president's daughter when she was abducted. That's the ultimate reason I'm in this lonely and rural part of Europe. According to our intelligence, there's reliable information about a sighting of a girl that looks very similar to the president's daughter. Apparently, she's being withheld by some unidentified group of people. Who would have thought that my first job would have been a rescue mission? It's freezing. So cold all of us aren't. Must be my imagination. Sorry it took so long. Il est quand même pas dégueu comme jeu, faut dire ce qui est vraiment. Ça me plaît. J'espère aussi qu'à vous aussi, ça vous fait plaisir. Et finalement, on n'aura pas trop de temps de chargement et ça fait plaisir. Allez, c'est bientôt la fin de la cinématique. Après, on fera un beau gameplay. Et j'aime beaucoup ce jeu justement pour son gameplay. Qui a révolutionné un peu le genre quand à sa sortie en 2004-2005. Vous allez me le confirmer dans le chat. I'll go and have a look around. Yeah,
We'll stay and watch the car. Don't want to get any parking tickets. Right. Parking tickets. Good luck. Jeez. Who are these guys? Did you say something? Ok, allez, sors MGS un petit peu, vas-y. Leah, I hope you can hear me. I'm Ingrid Hunnigan. I'll be your support on this mission. Loud and clear. Somehow I thought you'd be a little older. So the subject's name's Ashley Graham, right? That's right. She's the daughter of the president. So try to behave yourself, okay? Whoever this group is, they sure picked the wrong girl to kidnap. I'll try to find some more information on my end as well. Good. Talk to you later. Leon out. Ok les amis, clair que le HD est parti en vacances là, oui je suis d'accord. Alors comment ça se... un petit peu que je regarde. Ok, alors est-ce qu'on peut parler? Parler avec X. Forget your makeup or something. Et je rappelle que j'espère que le son du jeu n'est pas trop fort pour vous. Alors on fait comme ça par contre, comment si on bouge la caméra? Ah oui c'est vrai qu'on bouge pas la caméra comme un système de jeu classique j'ai envie de dire. Ouais, enfin là, ça se voit quand même qu'il y a une sorte de lissage hein, au niveau de la HD par rapport à la version GameCube. Ok, je sais que j'avais vu un commentaire qui était très intéressant concernant le doubleur d'un certain personnage que nous allons rencontrer plus tard et la voix de Leon, si j'ai bien lu. Attendez, je remonte la convo, enfin le chat. Donc la voix de Hein dans Resident Evil 4. C'est le doubleur de Leon qui l'a fait. Eh bien, je ne le savais pas, et donc merci pour cette info. Je sais que quand tu mets un costume dans la version GameCube, on la voit dans les cinématiques, mais pas dans le remake. Oh, c'est nul, ça. Pour Resident Evil 4 2005, merci Bayo pour la précision. Allez, donc nous, on est un agent secret, Leon S. Kennedy, qu'on retrouvait dans Resident Evil 2, et on est à la recherche de la fille du président, et on ne sait pas encore comment elle s'appelle, mais moi, je vais vous le dire. C'est Ashley Graham. On va juste checker les touches. Y pour la carte. X ne sert à rien. A, faut que je fasse comme ça. Alors, pour se retourner comme ça rapidement, ok. Là, je vise avec le faisceau laser rouge, je tire. Là, c'est quoi ça? Le couteau. D'accord. Et pour l'instant, ce bouton qui sert à rien. Au niveau du pinpad, c'est pareil pour la direction. Ok. Allez. Ok, bon. On va aller voir là-bas. On va aller voir là-bas. Cette vieille camionnette bloque le passage. Ah bon? Pas possible. Elle appartient peut-être à l'un des habitants du village. Oh. Oui, en effet, c'est la voix de Hein. Exactement. Allez. On va visiter un peu. Vous savez que j'aime bien un petit peu tout fouiller dans les jeux. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Examinez. De petits objets sont posés sur l'étagère, il n'y a rien de particulier ici. D'accord. Mm-hmm. Bonjour. Donc notre premier contact au final qui va peut-être pouvoir nous aider. Excuse me. Sir. I was wondering if you might recognize a girl in this photograph. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Sorry to have bothered you. J'ai toujours aimé ce passage, sans blaguer les amis. J'ai toujours aimé. Vraiment. Le mec. Avec sa hache. Freeze. Et cette musique. Oh là là, que de bons souvenirs. Salut. Tiens. Et nous. Voilà. Shit. Ok, on est en pleine action et... Oh, salut, faut que je parle au talkie, quoi. Is everything okay? There was a hostile local. I had no choice but to neutralize him. There are still others surrounding the area.
Get out of there and head toward the village. Take whatever measures necessary to save the subject. Understood. Oh yeah. Oh là là, ce bruit. Il m'a foutu la trouille. Faut fouiller dans la place pour... Dans la place pour être. Comment ça, Kameo? Coucou à toi, Kameo. J'espère que tu vas bien. Pourquoi avoir de la HD quand on peut avoir des H? Ouais, j'avoue. Alors. Alors, comment je fais, voilà. Hop, comme ça pour... Alors, examiner. La table est couverte de pourriture. On dirait que quelqu'un a récemment pris un repas ici. Waouh. Je sais pas si... Attends, parce que... J'ai peur qu'en fait, ils arrivent sur moi. Parce que quand on a cette musique un petit peu symbolique, hein, qu'ils me tombent dessus, et ce que je ne voudrais pas. On dirait qu'ils ont tué beaucoup de monde. J'espère qu'elle va bien, elle, la fille du président. Allez, n'essayez pas de me dire dans le chat, vous, ce que vous avez fait aujourd'hui. Comme vous le savez, je suis... J'aime bien savoir ce que vous avez fait. Ok, munitions de pistolet. Et ça, c'est classe. Regardez ce qu'on va pouvoir faire. Paf! Énorme. Oh là là! Oh non, mais... Oh putain! Ça commence. Alors, on retourne au niveau du pont après. On va juste se débarrasser de eux, là. Putain, mais... Ah oui, d'accord. Tiens! Attendez, est-ce que... Comment je fais? Ils sont mes copains. Et ils sont là. D'accord, c'est comme ça que je manœuvre, ok. Ah, c'est un truc à prendre, là. Mais non! Mais non! Putain! Ouh! Attendez, est-ce que là, je suis perturbation, là? Je suis perturbation. Attendez. Donc là, on me conseille de revenir au niveau du pont. Donc, il faut juste voir, c'est... Hop, 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 comme ça. Très bien. Et je me déplace donc avec ça. Hein. Ok. Et la caméra qui se déplace comme ça. Ok. Je vois mieux, enfin, j'espère. Alors, du coup... Bah, écoutez, on a vu des villageois hostiles, j'ai envie de vous dire. Reviens au niveau du pont. Alors, Odezage, coucou à toi qui a regardé et qui a joué à World of Final Fantasy, que je ferai sûrement peut-être après FF15 en 2017. On va bien voir. Non. Où sont les policiers? Et j'espère qu'ils ont pu sortir à temps. Oui, je parle au niveau de la lenteur du stream, enfin du dialogue. Hein. Le pont est détruit. Impossible de repasser ici. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Attends, est-ce que du coup, il faudra que je me vraiment... Que je me familiarise avec ça. Alors, on est parti. Donc finalement, on a trouvé pour l'instant des fous, j'ai envie de vous dire. Et on entend un chien. Je sais pas si vous entendez. On entend un chien. Et là, donc, le camion qui est parti. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Ah, une machine à écrire. Donc, vous connaissez dans la Resident Evil, c'est le point de sauvegarde. Tu prends, voilà. Alors, hop, tac. De l'argent. Donc, ce sera des pesetas. Hein. Tu es en perturbation? Qu'est-ce que cela va être après? Mais non, mais... Je comprends pas pourquoi il faut... Attendez, il n'y a pas un truc dans les options? Comment je fais pour avoir les options? Fichier, non. Peut-être sur back? Voilà. C'est au niveau de la des commandes. Configuration des touches. Si je regarde type 2. Courir, demi-tour rapide, carte. Voilà, je fais ça. Et je voudrais juste voir... Voilà, là c'est mieux. En fait, je visais avec le joystick gauche et non pas droit, quoi. Voilà, c'est beaucoup plus fonctionnel pour moi, en tout cas. Je me comprends, ouais, ce que je veux dire. Ok, allez, on sauvegarde, les amis. Toujours avec la machine à écrire. Hein. En 2017, parce que tu penses qu'il y aura une année 2017? Bah, évidemment, Dom. Mais oui, c'est vrai que Trump est passé entre-temps, mais bon. Vous savez, Trump, il va falloir attendre vraiment ce qu'il fasse. Hein. Pour l'instant, c'est que des suppositions, il n'y a rien de concret, hein. Ok, alors, je peux tirer sur les corbeaux. Ouais, c'est beaucoup mieux comme ça. Je peux leur tirer dessus, normalement, ils vont me donner des choses, hein, si je me trompe pas.
Alors par contre, faut bien faire attention. Voilà. Oui, je sais, je tue des gens, Brigitte... je tue des gens. Je tue des animaux, Brigitte Bardot ne veut pas être contente. Allez vous plaindre auprès d'elle. Mais honnêtement, moi, pour une grenade, je dirais pas rien. On dirait un avertissement. Oui, ça promet. Ok. Ce bruit, quoi. Oh, le pauvre. Et souvenez-vous bien de ce chien. Si quand tu vises, ça te fait un mouvement bizarre, ça fait la même pour Mr. B-Boy sur son let's play, et c'est assez chiant. Bah en fait, moi, si vous voulez, ce qui me gênait dans le type tout ça, c'est que, en gros, pour viser, il fallait que j'utilise le joystick analogique droit, alors que moi, je veux viser avec le joystick analogique gauche, quoi. Clairement. Ok, alors. Du coup, il y a des pièges à loups, on va regarder, hein. Le poteau indique Pueblo. Pueblo qui veut dire peuple, hein, je crois, en espagnol, hein, si je me trompe pas. Oula, alors là, il va falloir qu'on fasse attention. Je sais pas si vous avez vu, il y a des sortes de détecteurs, là. On va bien faire attention. Putain, il m'a foutu la trouille. Voilà, tu vas venir un petit peu par là, mon ami. Bien. Mais pourquoi tu passes au milieu? Attends. Oh non, 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 mais tu vas mourir, mec, hein. Tu vas mourir. Viens par là, voilà. Sois un bon gars. Merci. Loupe là. Allez, go. Et on remonte par ici. On va aller voir Pueblo. Falcon et ses exigences. Mais non, mais... Quand on va passer un certain nombre d'heures sur le jeu, croyez-moi que vaut mieux qu'on joue le plus agréablement possible. Je demande pas grand-chose, je demande juste, voilà, un minimum, quoi. D'ailleurs, je sais pas si vous avez checké, on va le regarder ensemble. Alors, là, hop, il n'y a rien. Alors, on va pouvoir prendre ça, très bien. Et regardez ici. Oh, bonjour, comment ça va? L'égalité des sexes semble de mise ici. Il faut que je la trouve vite. Et donc, on va accéder au menu. Et comme vous savez, on se soigne dans le Resident Evil. Alors, comment on fait? C'est ici. Avec des herbes vertes. Et on peut les combiner. Donc, on va faire combiner avec ici. Ce qui m'a fait, eh bien, une belle popo. Une belle popo. Voilà. Alors, votre voisin Trump, son peuple. Oui, justement, Phil est canadien. Hein. Il est fier d'être canadien comme jamais. Il est fier d'être américain. Non. J'économise les balles, hein. J'économise les balles tout simplement comme ça. Par contre, les gars, vous pouvez pas me... C'est quoi ce bruit? Ah ah, coucou. Je les avais pas vus en haut. D'accord. Salut, comment ça va? Bien, bien, et vous? Ok. Ah putain! Mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? La tête. Mais putain! Au niveau du son, c'est très agréable, j'aime bien. N'hésitez pas à mettre un casque, hein. C'est plutôt sympathique, je trouve. Ok, alors, ouvrir. Ok. Hello. Leon, how you holding up? Tout va bien. Bad question, Hunnigan. Sorry to hear that. I'm sending you a playing manual. Hope you find it useful. I'll take a look at it. Thanks. Très bien. Alors, manuel de jeu 2. Les changements de touches n'étant pas indiqués ici, soyez attentifs aux fonctions des touches. Recharger, appuyez sur A en maintenant LT enfoncé pour recharger. Et vous avez vu, c'est la manette Xbox One. Ça veut dire que c'est la meilleure. Bref. Coup de pied. Pour donner un coup de pied, approchez-vous d'un ennemi qui titube ou qui est à genoux ou appuyez sur le touche d'action. Changer d'écran inventaire, utiliser LB et RT pour passer de l'écran arme guérison à l'écran clé trésor et vice versa. C'est très bien. Merci. On a le dossier et on va pouvoir donc continuer. C'est quoi ce bruit? Recharger. Alors, regardez, pardon. N'hésite pas à tirer dans les jambes. Oui, ça, il va falloir que je m'en souvienne.
¡Qué madre! ¡Ah, por él! Ça me rappelle pas quelqu'un là-haut? Par contre, c'est quoi ça? C'est spray de premier secours. Je vais l'utiliser parce que je crois que sinon je vais mourir rapidement. Puis bah écoutez, hein, on arrive au village, j'ai envie de vous dire. Eh oui, oui. Coucou! Ça va? Il y a Lauren Gales là! Putain! Oh, attendez, ils sont à... Attendez. Comment je fais? Comme ça, équipé. Allez, cadeau! Voilà! Merde. Alors. Équipé. Parce qu'en plus, il me jette des trucs. Mais putain! Non mais! What? Mais il y en a partout! Ah! Mais! What? Putain, mais non! Hop. Oh là là là, pourquoi ne pas donner des défis et des gages? Putain, mais en plus, je vais n'importe où. Oh là là. Mais c'est quoi ce... Mais c'est des malades! Mais putain! Mais non, mais il y en a partout! Un œuf. Alors c'est tout à fait voulu hein, que pour l'instant je ne fasse rien, que j'essaie pas trop de les affronter. C'est tout à fait voulu. Hein. Parce que je ne veux pas gâcher mes munitions. En fait, sachez que là c'est scripté, il faut attendre un certain moment et... Est-ce qu'il est toujours présent? Oui, 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 c'est moi, hein, j'ai envie de vous dire. Ok. Alors au Kir. Une herbe jaune. Oui, je sais, c'est... C'est des malades. Oui, c'est des malades. C'est des gros malades. Non, mais regardez. Ah, mais c'est toi qui me tirais des trucs, là. Voilà. Non, 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 c'est bon. On s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va, on s'en va. Voilà. Très heureux de vous avoir rencontrés, hein, les amis. Très heureux. Ah, mais attendez. Je sais où je pourrais aller. Coucou, Laura Ingalls. Ça va? Où est-ce que je pourrais aller? Du genre là-haut, non? Oui, attendez. La victoire de Trump n'est pas issue du vote populaire, mais du vote du collège électoral. Oui. Ce qu'on appelle les grands électeurs, quoi, tout simplement. Alors, je vois ici... Des balles de fusil à pompe. Rassurez-moi. Une chose... Putain! Les malades. Quoi? Merci. Rentre dans la maison de gauche, tu peux te barricader. Alors attendez, je crois que je peux... Non, pas cette touche. Je crois que je peux utiliser, voilà, pour me donner de la santé, voilà, des petits œufs. Rentre dans la maison. Laquelle? Celle-là? Ah, ok. Mais non! Chainsaw. Shit. Son of... Mais non, mais attendez! Parce que j'ai peur. Ah oui! Le fusil à pompe.
Corello, ouais, Corello, moi aussi je peux le dire, Corello. Allez, Lauren Gals, là. Non mais Lauren Gals, là. Where's everyone going? Bingo? Alors sache une chose, Bayo. Pour te montrer le décalage, au moment où je te parle là maintenant, je reçois ton message, pousse les étagères. Regarde le décalage. Onegin, I have some bad news. I've confirmed the body of an officer. Something's happened to the people here. Leon, you need to get out of there. Look for a tower and follow the trail near it. Got it. C'est pas que le jeu est stressant par des screamers, c'est que le jeu est oppressant, et vraiment oppressant. Alors mine de rien, ils sont tous repartis, donc moi ce que je vous propose c'est qu'on, on visite comme il se faut ce village en même temps. T'aurais tué le mec à la tronçonneuse, tu aurais gagné pas mal d'argent. Oui, mais je ne suis pas assez fort. Mais c'est une bonne suggestion, vraiment. Alors, on va visiter le village, hein, parce qu'on a pas mal de petites choses à faire, je pense, à l'intérieur. Donc, ici, je ne peux pas y accéder. Là, au niveau du feu. Bon sang, qu'est-ce que... Si seulement il était venu avec moi. Alors, il y a un abreuvoir. L'eau est très sale. Je ne suis pas sûr de... Ouais, je ne suis pas sûr, en gros, d'en boire. Hein. On s'en fiche. Alors, on va regarder juste la carte. Je suis ici. Donc là, le passage, normalement, est fermé. Hein. On l'avait vu. Hop. Mais je préfère faire les choses comme il se doit, hein, tout simplement. Ah, ici. Hop! Ok, une grenade aveuglante. Il y a plusieurs types de grenades. Il y aura la grenade classique, il y aura la grenade aveuglante, la grenade incendiaire. Et je pense que tout est ok. Très bien. On va faire les choses comme il se doit, hein. Là, c'est fait. Là, les deux maisonnettes, j'irai... Quoique, je peux peut-être y aller maintenant. Je peux peut-être y aller maintenant, parce qu'on peut aller à l'intérieur. Alors, boum. Bonjour, il y a quelqu'un? Comment ça se passe? Hop. Hey! Voilà. Ah, d'accord, il n'y a rien. Oublie pas que tu utilises les combinaisons herbes, plus verte, plus jaune, plus rouge, ça te soigne et augmente ta vie max. Oui. Nos soussailles. Une odeur assez désagréable se dégage de la bouilloire. Cette puanteur me donne pas envie de boire ça. Oh. Ce type a l'air vraiment sinistre. Non. Ok, examiné. L'étagère est clouée au mur. Rien d'anormal. Très bien. Ici. Bien. Justement, je parlais des grenades incendiaires, des sous-sous. Il n'y a pas d'étage. Il n'y a pas d'étage. On va pouvoir donc passer... Boum, par ici. Et là, je suis où? D'accord, donc là, c'était la petite maisonnette. Et ici, on a une caisse à péter. Une caisse à péter, pardon. Justement, herbe rouge. On va monter ici. N'oublie pas qu'il faut tuer les vaches. Vous êtes des salauds, en fait, avec les animaux. Ok. Très bien, alors je peux monter ici, je vais juste regarder sur le toit ici pour assurer quelque chose. On va regarder, oh oui, en plus il y a un truc qui brille. Vous avez obtenu Spinel, donc Spinel qui est un bijou, enfin une sorte de trésor qu'on va pouvoir vendre. Rassurez-vous, je connais un petit peu le jeu, mais je compte sur vous pour m'aider à savoir quel trésor va avec quoi, et surtout quand il faut pas les vendre, c'est super important. Vraiment, sachez-le, pour moi c'est important en tout cas. Des munitions de fusil à pompe. Le genre de personne avec qui je m'entends mal. D'accord. Jouer une petite étagère là-bas. Faire tomber, il parle de... Faire... ça. Voilà. Clac. Très bien. Donc, on avait ici... On avait récupéré le fusil à pompe là. Ici, nous avons une grenade.
Il faut que je check juste une chose, c'est dans les petits tiroirs. Dans les petits tiroirs, eh bien, il n'y aurait pas quelque chose. Alors là, on a placé ça, d'accord. Là. De nombreux insectes sont en train de dévorer les restes. D'accord, donc il y a la poule, il y a Sébasto, hein. Il y a Sébasto qui est là. Examiner divers objets, rien de particulier ici. Ok, là il y a deux barils. Ok, je vais pas tuer la poule, ça ne m'intéresse pas. Tac, tac. Donc ici, c'est, on a tout fait. On va laisser au cas où et on va repartir de l'autre côté pour l'investigation. C'est à toi, Blublu. Bienvenue sur le stream. Blabla. Comment vas-tu? Bienvenue à toi sur le stream. Comment on peut jouer à Call of sur la Wii, quoi? Là, sérieusement, non, vous me décevez, quoi. Comment on peut jouer à Call of sur la Wii? J'ai envie de vous dire. Comment on peut jouer à Call of sur la Wii? Ok, on va regarder par là. Donc là, on est chez la petite maison de la prairie, hein, comme vous le savez. Donc là, il y a une vache. Très bien, mais je vais pas la tuer pour le moment. Là, il y a une herbe rouge. Parfait. On entend les coyotes en plus, hein. D'accord. Par ici. Par ici, par ici, par ici. Je ne peux pas y accéder. Par contre, là, il y a une sorte de maison. Je peux pas faire un tour ou... Non. Nope. Nope, nope, nope. Tout ça, là, pour l'instant, c'est bloqué. Alors, ici. C'est verrouillé. Impossible de l'ouvrir. Une sorte de symbole est visible sur la porte. D'accord. Bon, bah écoutez... Donc en fait, les villageois... j'ai l'impression vendent de la... Enfin... On va dire survivre avec l'agriculture. J'ai l'impression. Mais... Voilà, quoi. Tu m'épargnes un vent, Alphira. Merci. Coucou. plus un d'homme. Comment on peut jouer à Call of tout court? Faut respecter quand même la licence Call of au moment où, avant que ça commence à dégénérer, qu'ils nous sortent un épisode par année. Hein. Mais sinon, ça reste quand même une bonne série. Alors, là-haut, on avait vérifié. Hein, on avait vérifié, rappelez-vous. Par ici. Par ici, par ici, par ici. Du coup, on est monté. Là où il y avait la spinelle. Là, il y a une maisonnette. Yes. Oh, sauf qu'il n'y a rien du tout. J'en suis dégoûté, j'ai envie de vous dire. Ok. Ensuite... Par ici. Ici, il y a une flèche. Le panneau indique ferme. D'accord. Oh, il y a une carte. Appel à la vigilance. Selon certains renseignements, un agent du gouvernement des États-Unis se trouverait dans le village. Ne laissez pas cet agent américain entrer en contact avec la personne retenue prisonnière. Au cas où vous ne le sauriez pas, cette personne est détenue dans une maison abandonnée au-delà de la ferme. Nous la transférerons dans une zone plus sûre de la vallée quand nous serons prêts. Et elle restera là jusqu'à nouvel ordre. En attendant, ne laissez pas l'Américain s'approcher de cette personne. Nous ignorons comment le gouvernement américain a eu vent de notre village, mais nous menons l'enquête. Je pense toutefois que le fait que l'intrusion se produise maintenant ne doit rien au hasard. J'ai l'impression qu'un groupe, que le gouvernement des États-Unis est responsable. J'ai l'impression, pardon, qu'un autre groupe que le gouvernement des États-Unis est responsable. Restez sur vos gardes. Le chef, Vitores Mendes. Rebonsoir, bien super, bienvenue à toi sur le stream, comment ça va? J'espère que tu vas bien. On va prendre ici les munitions de pistolet, Sébasto, on va pas y toucher, ici. Ici, 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 hop, d'accord, donc il n'y a rien, bon. Je vais vous dire très bien, là, que dalle. Et coucou à toi Dragan, bienvenue sur le stream, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne journée. Ok, donc là, c'est fait. Donc, direction la ferme. On va consulter la carte ensemble. Je crois que voilà, il y a un objectif à chaque fois qui apparaît. Donc, nous, on a déjà fait tout ça. Et après, donc, il faut qu'on se rende... Où est-ce qu'il faut qu'on se rende? Il y a moyen de dézoomer? Voilà, c'est ici, le point rouge. Car tu ne peux pas utiliser la manette, mais juste les nunchucks. Ah non, mais... Lol, j'ai envie de dire. Lol. Bref. Allez, go. On part en pause dans 10 minutes, les amis. Je vous le dis. Bon, alors là, par contre, il y a un truc d'intéressant, je pense. On va d'abord aller là. Alors déjà, il y a une machine à écrire. Boum. Et on va sauvegarder. Très important. Sauvegarde dans le cool.
1-1-1, donc chapitre, acte 1, chapitre 1, blablabla, ok, on a déjà 33 minutes. Le jeu est long, hein. Sachez-le, le jeu est long et le jeu est vraiment prenant. Ok, donc il y a des vaches ici, il y a un trésor. Examinez. Bon sang, ça pue. Et si je tire dessus, je crois qu'on peut avoir... Ah, attendez. Que je me trompe pas. Alors par contre, le viseur... Vous avez obtenu Pendentifa Perle sale. Oui. Attendez, attendez, attendez. J'ai entendu un... Ulalala. Putain. Allez, pourquoi vous m'aviez dit de tirer tout simplement? Non mais... Tu restes à terre, va! Voilà, bon garçon. Pourquoi vous m'aviez dit tout simplement, eh bien, de prendre les œufs donc pour la santé, hein, on est d'accord. En plus, on a un œuf doré, donc ça, c'est cool. Mais ça nous sert... je disais, ça nous sert les œufs donc pour se régénérer. Mais on va avoir quelque chose d'intéressant, regardez. Ça, c'est assez important et je compte sur vous. On a, ici, un document. Médaillon bleu. 15 médaillons bleus, 7 dans la ferme, 8 dans le cimetière. Ceux qui détruiront 10 médaillons ou plus recevront. La suite est illisible. Donc maintenant, je vais obtenir la carte. Je vais ouvrir la carte et vous voyez qu'au niveau de la carte, il y a plein de médaillons qui sont apparus ici et ici. Ici, je ne peux pas encore y accéder, c'est bloqué. Mais on voit qu'ici, au niveau de la ferme, il y en a. Donc, on va le faire ensemble. Hop. Voilà. Donc ça nous en fait 1 sur 15 d'ailleurs. On va recharger tout de suite. Hop, je regarde au cas où pour voir s'il n'y aurait pas autre chose. Il va falloir qu'on apprenne à scruter. Regardez là-haut. Alors, est-ce que je peux l'avoir d'ici? Le problème c'est... Ah oui, je peux l'avoir. Hé ! Voilà, merci. On va aller voir la vache. Hop là. Ok. Encore de l'eau sale, je m'en fiche. Ah bah, salut. Non mais... Merci. Voilà, oh la tête. C'est trop marrant. Au lieu de sauter, c'est marqué bondir. Ouais. Oh, alors par contre... Attends, j'ai cru... Alors, je vais prendre... Non, mais à chaque fois, je me trompe de touche. Donc, jaune, rouge, verte. Donc, combiné... Avec ça. Et du coup, je vais combiner ça pour faire un mélange tricolore. Comme ça. Voilà. Tu peux aussi lancer les œufs sur tes ennemis. Oui, comme dans Resident Evil 5, tout à fait. Et je crois même qu'il doit y avoir un succès. Attends, là, c'est qui parle? Ah, c'est toi. Attends, j'adore ce jeu, si vous saviez. Alors, je sais pas si vous avez vu, quand on a lancé le jeu au début... Ah bah il est... What? Rien, à part une fausse apurante nauséabonde. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? D'accord, je me rappelais pas qu'on voyait le chien ici. D'accord, donc il y en a un ici. Alors, pour assurer... Voilà, je fais comme ça. Boum. Alors, est-ce que je peux bondir? Oh oui! Là-haut, il y en a un. Voilà. Comment les balles sont tellement précises dans ce jeu? Oui. Et c'est justement pour ça que je kiffe Resident Evil 4. Le gameplay est aux petits oignons. Il n'y a pas d'autre terme. Hop là, ici. Il n'y a rien du tout. On doit quand même faire attention à nos balles. Quand même faire attention. Là-bas, c'est fait. Donc, next zone, par ici. Ah, attendez, parce que là... Salut à toi, Merguez, bienvenue sur le stream. Comment vas-tu? Bondir, ouvrir, pardon. Apprends à lire, apprends à lire. 1000 pesetas. Donc c'est la... On est donc dans un... En Espagne, alors, si c'est ça. Tu peux faire carré, il me semble, pour déplacer les objets dans ton inventaire au lieu de faire combiné à chaque fois. Ok. Bien, écoute, je crois qu'on va checker, mais en effet... Si, admettons, je fais ça... Ah non, quand je fais X, ça me fait comme A. Donc non. Par contre, je peux faire ça. Je peux faire ça directement, avec Y.
Bref. On va voir encore des petites choses. Oh, Spinel. Spinel, parfait. Là-bas, il y a un truc. Hop, une herbe verte. Une herbe verte qu'on va pouvoir tout de suite d'ailleurs combiner, je pense. À chaque fois, je me trompe de touche, mais arrête un peu. On va essayer Y avec comme ça, voilà. Je pense qu'on est plutôt pas mal là actuellement. Hein. Si vous voyez qu'il y a des choses que je fais mal, n'hésitez pas à me le dire. Par contre, j'entends du bruit là-haut. Il y a un mec. Oui, il y a un mec. Bonjour. Bonjour. Salut. Et on finit au couteau. Et alors là, par contre, non. Voilà. Bien. Ok. Eh hey, mais putain, il m'a foutu la trouille, toi là. Ok, il y a quand même des bons réflexes. Oh non, par contre, la portée du couteau. Voilà. Pouh. Ok, ici. Nous avons des munitions, ça tombe bien. Et je crois que voilà, on peut faire ça. On peut faire ça, 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 ça. Pour se rendre ici. Alors au niveau de la carte. Donc par là par contre ce serait bloqué. Mais j'ai envie d'y aller. Hop. T'as une montre et une chope à bière à récupérer, Fofo. Alors, si vous voyez que je loupe des éléments dans certaines zones, n'hésitez pas à me le dire. Là, pour l'instant, je fais mon côté exploration. Hop, mais vu qu'on a bientôt fini la fin de l'expédition, hein, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à me le dire. Alors, normalement, les trésors, on les voit bien. Ils sont... ils apparaissent, comment dire, brillamment. Voilà, comme par exemple ici, Spinel. Hop. Cartouche de fusil à pompe. Quel est né ce jeu? 2005. Hop, on remonte. Alors, la zone où on veut aller, c'est par ici, mais... Je crois qu'on peut faire quelque chose comme ça. Voilà, ça je m'en souviens bien. Avec ici, boum. Une chope. Et là... Attendez, c'est moi ou... Moi, il y a... On dirait que là, il y a un symbole. Où est-ce qu'il est, le médaillon? Où est le médaillon? Il est là ou pas? Ouais. Il a l'air d'être là. Comment je fais pour l'avoir? J'ai peur que quand j'ai poussé le truc, ça m'a évité quelque chose. Attendez, poussé. Je peux encore le pousser? Non. Attendez, où est-ce que... Ou alors il est en hauteur peut-être. Non. Boum. Parce que je pourrais pas le voir là, comme ça. Enfin, ça fait longtemps que j'ai joué au jeu, hein, sachez-le. Ça fait vraiment longtemps. Au niveau de la carte. Mmh. Il devrait être par là normalement. En tout cas les amis, ce que je vous propose, je vais mettre sur pause. Et je pars en pause. Bonne pause à vous. N'hésitez pas à aller chercher un café, un chocolat, un truc à grignoter, du pop-corn, passer en mode cinéma mais en participant quand même. Et puis bah écoutez, à tout de suite. Thank you.
Oh, le jus d'orange. Après s'être réveillé après avoir passé un agréable moment avec Ansifan, le jus d'orange. Oh, je l'apprécie agréablement. Oh. Oh, c'est ça, c'est le jus d'orange. Prendre le temps de prendre un plaisir à manger un des jus et à boire. Attention, à boire du jus d'orange. Hein. Je bois le jus d'orange avec un mes fans. Hein. Le jus d'orange pour un mes fans. Hein. Ah. Vous êtes donc encouragé donc à prendre de boire de jus d'orange et de le circuler. Oh, le jus d'orange. Oh, je passe un d'agréable moment de plaisir avec vous en mes fans. Oh, oh, le jus d'orange. Luisant, délicieux, agréable, qui désaltère l'œsophage, en fait plaisir et réveille, en passe d'agréable moment avec un ses fans en buvant un léger d'orange. C'était paisible, ça en soi, et le jus d'orange pour ses fans. À bientôt. Allez, re tout le monde, j'espère que la pause s'est bien passée pour vous. Par contre les amis, j'ai envoyé un petit peu tard les pots, la pub, donc je vous propose qu'on fasse à peu près une minute eh bien, de blabla, ou peut-être même d'exploration de la première zone, parce que j'ai dû louper eh bien, un objet a priori au début de la zone, ce que vous m'aviez confirmé. Moi j'ai eu un truc là, un pendentif sale, je crois, mais j'aurais loupé quelque chose, alors... Attendez, on va regarder la carte. Il y en aurait un à droite. What? Ah oui, en effet, regardez tout là-haut. Ok, celui-là je l'avais loupé. Et donc après... Ah, celui à droite là-bas. On va essayer d'aller le chercher, tiens, parce que je suis sûr qu'on peut l'avoir. Je suis sûr qu'on peut l'avoir. Ah ok, alors. Hop, en tout cas, j'espère que Resident Evil 4 vous fait plaisir. À mince, pour pas qu'il soit sale, fallait tirer sur le bout de bois. Ouais, c'est pas... Attendez, est-ce que du coup... Si je... Non, à chaque fois, je me trompe de zone, de touche. Je vais dans
dans clé trésor. Voilà. Donc, ici. Combiner. Non. Examiner. Bijou tressel, il n'a pas l'air de valoir grand-chose. D'accord. Et j'ai la chope. Examiner. Trois renfoncements sont visibles sur le côté. Je me demande à quoi elles servent. Est-ce que je peux mettre des spinels dedans? Non. Donc ce sera quelque chose, vous voyez, un objet qu'il faudrait que je garde parce qu'il y a d'autres choses à insérer, eh bien, avec, quoi. Ok. Alors. Ah, il est là-haut, regardez. On le voit, là. Ah, par contre, va viser ça, toi. Oh, quoique. Voilà, parfait. Eh, franchement, GG, hein. GG parce qu'on s'en sort très bien pour l'instant, hein. On a tous les médaillons. Allez, next zone, boum. Hop, et donc c'était par là. Touk, 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 touk. Allez, on est un petit peu tranquille pour le moment, il n'y a pas trop d'ennemis. Je vous propose qu'on voit comment ça va se passer, hein. Tac, allez, on y va. Alors ici, nous allons vers... J'ai déjà vu ce panneau. Oh oh. L'apparition des QTE, je vais pas me louper, 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 je vais pas me louper. Wouh ! Pardon. Oh là là, ce jeu me fera toujours peur, j'ai envie de vous dire. Du coup, c'est autre chose pour la shop, tu la trouveras juste après dans un nid. Dans un nid. Mais attendez, mais... C'est qui me tire dessus? Non mais... Attendez. Putain, ils sont là-haut. Attends, attends, attends. Vas-y, vas-y, vas-y. Dépêche-toi. Ah, 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 ah. Regardez, il y a des choses, là. Il y a des choses brillantes. Il y a des choses brillantes. Mais... Attends, je suis dessus, là. Attends, 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 là. J'étais dessus, là. Eh. Voilà. Donc, Spinel. Les plaids, c'est la vie. Oui. Attendez, c'est moi. J'avais vu un autre truc. Ah, bah oui. Briller. Voilà. Et on a obtenu Spinel. Très bien. Toc, toc. Oh. Attendez, mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Oh, le headshot! Attends, mec. Mec, je te mets un headshot, là, et t'es encore debout. Non, puis... Attends, mais attends. Attends, attends, attends. Là, ça me convient pas du tout! C'est un peu le bordel, là. Putain, mais... Cogno. Cogno, cogno, cogno. Pardon. J'adore ce bruit. Non, mais... Allez. Ah, je kiffe ce jeu, je kiffe. Non, 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 oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Mais comment ça s'attendait que... Mais éclate! Non mais... Oh putain, ils sont buggés, quoi, les machins. Le mec, il transportait la flamme olympique, quoi. Je kiffe. Je kiffe vraiment ce jeu. Ok, 1100 pesetas.
Ouais. Alors, toujours regarder en l'air. Hein. Tu ne peux pas tirer sur la dynamite. Je peux tirer sur leurs mains. Aucun indice ici. Ok. Là. La porte est clouée. Ah, non, sérieux, ce jeu, c'est la vie. Je suis vraiment content de le retrouver. Vraiment, sachez-le. Par contre, il y a des pièges un peu partout, donc on va faire gaffe. J'entends une porte branlante, hein, comme on dit. Oh, j'ai failli me prendre le... Attendez, lui, là. Non, d'accord. C'est là où il t'a le nid. Le nid. Là-dedans, là ? Attendez. Oh ! C'est là où t'as le nid. Là, en effet. Là, il y a un truc. Voilà. Et... œil de chat rouge. Ok, là, il y a un truc, là. Là, il y a un truc. Ok, des balles de fusil à pompe. Parce que ça pompe. Donc, du coup, si je retourne, d'après vos suggestions, dans clé trésor, si j'utilise... ça avec combiné ici, voilà. Et si je fais examiner, ça fait shop plus R, une pierre précieuse et sertie sur le côté. Donc il faudra qu'on trouve des œils de chat. Très bien, très bien. Donc du coup, on va rentrer dans ce baraque. J'ai envie de vous dire qui m'a l'air très accueillante. Hein. Ah, il y a un cadenas. Voilà. Quoi ce bruit qu'on entend là? D'accord. 1100 pesetas. Des petites balles de pistolet. Ok, et il y a ici un point de sauvegarde. Ce qui n'est pas pour me déplaire, je ne vous le cache pas. Hein. Vraiment, sachez-le. Ok, sauvegarde réussi. Là, par contre. Oh! Mais je suis un gogol, moi! Je suis un gogol, faut que j'arrête les choses, hein, comme ça. Hein. Alors, du coup, on va utiliser... dans celle-là. Utiliser. Et en effet, j'ai ma santé maximale qui vient d'augmenter. Je suis dégoûté, mais comment j'ai pu... Comment j'ai pu louper ça, quoi? J'ai envie de dire, please! Putain, le truc évident, j'étais dans la précipitation. Alors, pousser. J'ai l'impression qu'on se rapproche du bruit, oui, regardez, là. Ashley, c'est toi? Them? No. You? Okay. I have only one very important question. Do you got a smoke? Got gum. Perfect. The big cheese. What? Ok. Bien, il y en a fini donc le premier chapitre. On va sauvegarder. Boum.
Bien. C'est quoi ce big guy là qu'on a avec nous là? Ça me fait peur. Bon, ok, on va en savoir très vite, je pense, la suite. Hein. Humans, let us give you our power. Soon, you will become unable to resist this intoxicating power. Hey, hey, wake up. Yay. Crawl out of one hole and into another. You want to tell me what's going on here? Americano, si? Now what brings a bloke like you to this part of the world? Oh, hey, easy, whoever you are. Name's Leon. Came here looking for this girl. Seen her? What, are you supposed to be a cop or something? Nah, you don't look the type. Maybe. Okay, let me guess. She's the president's daughter? That's too good for a guess. Want to start explaining? Psychic powers. Nah, just kidding with you, amigo. I overheard one of the villagers talking something about the president's daughter in the church. And who might you be? Me llamo Luis Serra. I used to be a cop in Madrid. But now I'm just a good-for-nothing guy who happens to be quite a ladies man. Why'd you quit? Merde, pourquoi Fufu dans Resident Evil 4? You put your life on the line. Nobody really appreciates you enough for it. Being a hero isn't what it's cracked up to be anymore. Used to be a cop myself. Only for a day, though. I thought I was bad. Somehow I managed to get myself involved with the incident in Raccoon City on my first day in the force. That is the incident with the viral outbreak, right? I think I might have seen a sample of the virus in a lab at the department. Oh, man. Hey, boy. I'm not dying. Do something, cop! After you. Now! Ooh. Miam la belle âge, comme tu dis, Zach. En effet, t'inquiète pas. It's Leon. Sorry I couldn't get in touch sooner, but I was a bit tied up. You're okay, right? I'm fine. There was a male civilian held captive. According to him, Ashley's in a church somewhere. What happened to him? He managed to escape. Do you have a fix on the location of that church? No. But apparently there's a secret passage in the village that leads there. I'm heading back to the village. Okay. Ok. Donc on a fait la connaissance de l'OSSR là, qui aurait pris connaissance finalement avec Ashley, hein, qui l'aurait vu, il nous l'a précisé. Hein. Puis bah écoutez les amis, on poursuit. Hein. On va poursuivre. Hop là. Ah, lui, un personnage qu'on adore. Oh, des munitions de fusil. N'importe quoi, moi. Putain, apprends à lire, mec, ce soir. Apprends à lire, quoi. C'est de pire en pire, hein. Putain, pourtant, j'ai 17 ans, quoi. Ok, alors. On va faire le tour. Ah, déjà, il y a des petites choses, là, vous allez voir. Boum. Déjà, une herbe verte. Très bien, au cas où on serait pas bien. Ensuite, là, Grandal. Oh, bonjour. Oh, mais comme ils sont mignons. Welcome. Et ouais, vous allez voir un petit peu, vous allez voir.
got something that might interest you. Oh la vache. Got a selection of good things on sale, stranger. J'ai des objets intéressants à vendre, étranger. Étranger, as-tu remarqué qu'il y a des médaillons bleus dans le village? Reviens quand tu auras tiré sur 10 médaillons ou plus. J'ai une arme spéciale que j'aimerais te faire essayer. Alors, vendre. Je peux vendre les spinels. Les spinels, normalement, c'est bon. J'en ai 6. Oui. Le pendentif, on peut le vendre. Oui. Par contre, la chope, je garde. La chope, je garde. On va regarder dans HD. Mallette M. Une plus grande mallette qui coûte 24 000. On va la prendre tout de suite. Oui. La carte au trésor qui coûte 3 000. On l'a améliorée. On peut acheter fusil qui coûte 12 000. TMP. Lance-roquette. Fusil, lunettes à fusil, spray de premier secours. Mais moi, ce que je voudrais, c'est optimiser mes armes. Et je voudrais optimiser le pistolet, la puissance de feu qui me coûterait 7000. Ou la vitesse de rechargement. Non, la contenance. Il me reste 4500. Voilà. Je pense que c'est plutôt pas mal. Et puis, bah écoutez, moi, ça m'a fait plaisir. Alors, du coup. Oh, regardez, on a bien fait de passer là. On a une herbe rouge. Alors du coup, est-ce qu'on peut faire une combinaison? Oui, on va pouvoir faire... Hop. Hop, voilà. On n'a pas d'herbe jaune. On a des grenades. D'accord. Ouais, merci Bayo pour justement pour les... Mais pour l'instant, je pense que voilà, on est plutôt bien. Alors par contre, on va checker la carte ensemble parce qu'on est où? Il faut faire quoi là? Ah oui, d'accord. Alors, je crois que maintenant que j'ai la carte... Ah d'accord, on est là, regardez les amis. Maintenant que j'ai la carte... Ah mais regardez, on n'a rien loupé alors au final ici. Hop. D'accord. Donc maintenant que j'ai la carte, j'ai accès aux trésors qui sont signalés par une étoile. Donc on va pouvoir aller par là. Et donc sortir. Voilà, alors là par contre ça va pas rigoler. Alors recharge. Non. Ouais, par contre toi là. Je suis pas très fan là. Oh putain. Toi là-haut. Attendez, est-ce que là, je crois que j'aurai besoin de prendre du... Non. Hop. Fusil à pompe. Le pompe. Ouh. Cadeau. Ah là là. Vous allez comprendre pourquoi le fusil à pompe a toujours été mon arme préférée, je pense. Allez, dégage. Maintenant, toi. Voilà. Attendez, est-ce que... Oui, voilà, j'entendais lui, là. J'entendais lui. Oh, que c'est très bien joué, ça. Et recharge. Oh, putain. Attendez. Je me trompe de touche. Alors. Wouh! C'était chaud. Alors, on va reprendre le pistolet. Alors. Achète plutôt les nouvelles armes. Tes armes, tu en auras des meilleures après. Donc ne dépense pas trop pour obtenir des armes que tu ne serviras plus. Ah, je pense que quand même pour augmenter la contenance de notre mallette, la carte, et juste augmenter la capacité pour le moment de notre pistolet est plutôt sympathique, non? Enfin, mais je prends... Oh la vache!
Tu rigoles, tu déconnes là. Putain. Vous savez quoi, moi je suis. Putain, je me la suis vraiment pris en plus en one shot quoi, c'est limite. Hein. C'est une blague quoi. Ah, attendez. Hop. Moi je sens bien le coup de la grenade. Oh putain. Mais non, mais. Ils me foutent la trouille, moi. Pas grave, c'est pas grave. Non mais... Oh, il a plus de tête. Il a perdu la tête, il s'est caché. Alors par contre, j'entends encore de la musique, alors je vais quand même checker en hauteur pour voir qu'il n'y ait plus personne. Hein. Pistolet. Merci d'être passé. Et toi? Non mais... Oh putain! Non mais... Putain, mais c'est pas possible! Foutu la trouille quoi, sans blaguer. Il m'a là, le mec là, il m'a. Non mais il faut combien de balles, mon ami? Voilà, merci. Quand il en reste encore. Alors ici nous avons. Emblème partie gauche. Putain, mais il y a encore du. Non, non, lui c'est bon, il est tout seul, il est tout seul. Oh, mais putain! Mais c'est pas. Et ils m'ont mis la pression là. Vous êtes gentil, mais là, sérieux les gars, vous m'avez plus que saoulé quoi. Mais il y en a combien là? Attendez, ils ont. Il y a le cousin, le grand-père et compagnie là? Comment ça se passe? Parce que. Non mais. Oh là 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 là. Sans blaguer.
Ouais, non, mais ce passage m'a toujours stressé à fond. Oh là là. Allez. Ah, s'il y a encore du monde là. Voilà. Oh putain. Putain, mais y en a un ici aussi là. Oh là là. Merci. Oh! Je vois que je vous fais bien rigoler, hein. Bienvenue, bienvenue. Mais quoi? Mais attendez, c'est pas possible. Vous avez vu le nombre? Le nombre de mecs, quoi. En fait, je l'ai fait venir pour qu'il tombe, hein. Je suis obligé, hein. Sinon, j'aurais pas assez de balles. Ouais, je sais, c'est nul, mais voilà, hein. Ah, la tête. À une balle près, les amis, à une balle près. Je suis pas très content de ma prestation, je ne vous le cache pas, mais écoutez, hein, bah, j'ai envie de vous dire, on va faire le plein. Hein. On va faire le plein maintenant, hein, parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix du tout. Non. Déjà, tu prends ça. Merci. Là, il n'y a rien. Ok. Oh. Oh 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 oh. Munition de pistolet. Yes. Ah, on ressent toute la saveur du jeu avec Falken. Oui, surtout du fail, là, j'ai envie de vous dire. Bref, ouvrir. Ah bah voilà. Grenade aveuglante. C'est bon ça. C'est bon ça. Ok, donc on se retrouve où là? Ici, d'accord, donc là. Il y a un baril. Rien du tout. Falken, l'exterminateur de trous perdus. Eh ouais, il y a que moi pour vous proposer ça. Alors là, du coup, on avait fait toute l'inspection de la zone là-haut, hein, on est d'accord, logiquement. Par ici. Là, il y a des tonneaux. Bien. Hop, nickel. Là, il y a que dalle. Alors là, c'est pour insérer quelque chose. Les vies vous en rendent compte. Là, qu'est-ce que nous avons? Vas-y, monte, Léon S. Kennedy. Ok. D'accord, donc en gros, là... j'ai rien du tout. Très bien. Hop là. On va monter là-haut maintenant. Il y a que dalle. Hop là. J'ai pas visité là-dedans. Si j'ai visité ou pas, je m'en rappelle plus. Non, j'ai pas visité dedans. Et est-ce qu'on... ah bah, d'accord. Ok. Hop. Donc là, il y a un truc. Tu peux monter sur le toit du bâtiment. Ouais, pour prendre le truc. Hop, 1000 pas cette race. Donc ok, donc là vous avez vu le coffre là-haut. Donc, on va y retourner par là. Comment je monte là-haut? Ah. Déjà ici il y avait de l'argent. Tu montes, grimpes et tu grimpes comme ça. Yeah.
Parfait. Un petit baril. Ok. Ok, très bien. Hop, et un emblème partie droite. Très bien, alors. Hop là. Et donc on va pouvoir sortir de la zone, mais à chaque fin de zone, on va bien checker pour voir s'il n'y aurait pas de médaillon ou de trésor. Donc du coup, on regarde la carte. On a tout fait, très bien. Impossible de l'ouvrir. On dirait qu'il est possible d'insérer un objet dans cet orifice hexagonal. Donc tu me mets... On va regarder, examiner. Emblème partie gauche, moitié gauche d'un emblème portant une gravure. Mais j'ai utilisé. Ah non, faut le combiner. Voilà. Et donc ici, si je fais examinar, emblème hexagonal, objet hexagonal sur lequel un insigne unique a été gravé, il ouvre le portail de la vallée. D'accord, utilisez. Vous utilisez l'emblème hexagonal. Ouvrez. Yeah, bon, on se débrouille bien, je trouve. On se débrouille plutôt pas mal. Non? Enfin, je trouve, quoi. Ok, on est où, là? On fait quoi? Comment ça se passe? Bonjour. Oh, attendez. Je hume un truc, là. Hop! Que dalle. Ah! Des balles. Prends des balles de pistolet, voilà. Ça m'intéresse. Ok. Ensuite. Là. Oh, regardez là-haut, la balle. Attendez, il y a plein de trucs ici, je suis sûr. Il y a plein de trucs intéressants, j'en suis sûr à 100%. Alors, est-ce que je peux aller ici? Oui. Justement, je pense que c'est la suite. Hop. Ok, alors, là, il y a un truc. Est-ce que je peux tirer dessus? J'ai pas de marqueur, hein. Donc ça sert à rien que je tire dessus. Donc on va passer par là. Il y a un masque à récupérer. Ouais, le masque, je l'ai vu. Et je peux pas faire combiner avec ça. Ah d'accord. Waouh. Hop. Voilà. Toi, on te finit au couteau. Et il y a plus personne derrière. Ok, de l'argent. Des pesetas, des... Là, ce que tu vois sur Twitter, c'est juste son ajout dans la playlist. What? What? Alors, tac, tac. Bien, on récupère pas mal d'argent, ça me fait plaisir. Putain. Voilà, là je pense qu'on a bien géré.
Non mais... Allô ? Merci. Alors, je vais pas aller chercher dans les trous là. J'estime que ça sert à rien. Alors ouvrir. D'accord. Oh merde, mais c'est pas possible. Je l'avais pas vu. Non mais. Putain. Mais alors toi ? Du coup, tu utilises, on augmente ça, c'est parfait. Ouais, plutôt pas mal là pour l'instant. Hein. Mais non, mais. Et faut arrêter les bêtises là. Hein. Mais putain! Alors toi! 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 T'en as combien toi là? Eh non mais c'est une blague en fait ce jeu. Il est chaud hein en fait. Hein. Bon alors. C'est bon, de toute façon je me suis fait choper par les deux, donc c'est bon hein. C'est à toi Pafouille, bienvenue sur le stream. Comment ça va? J'espère que ça va bien. Hop. De l'argent, de l'argent, de l'argent. Très bien. Donc, faire attention à pas se faire avoir. Alors. Comment je fais pour... Je fais rien que des bêtises quand t'es par là. Oui, je sais, je chante très bien. Allez, mélange d'herbes vertes. Ici. Rien du tout. Mais on avait vu qu'il y avait un trésor ici, non? Ouais, juste là. Alors, comment je fais pour l'obtenir? Ah, il y aura un passage. Si je me tourne vers la gauche... Comme ça, et là. Attendez. Ah. Peut-être par là. Casse avec ton couteau les planches. Casse avec ton couteau les planches. Dans l'autre salle, je suppose. Voilà, ici. Merci pour l'aide. Je me souvenais bien qu'il est assez difficile celui-là à avoir, ce trésor. Donc, nous avons le masque élégant. On va regarder, il y en a un autre un petit peu plus loin. Donc on va regarder dans trésor. Est-ce qu'on a quelque chose à insérer dedans? Examiner. Masque comportant trois orifices dans lesquels un objet pourrait être inséré. Donc c'est comme la shop, il va y avoir quelque chose à faire. Hop là. Ça c'est bon. Là je suis de retour ici. Très bien. Donc la suite c'est par là. Alors par contre on va faire attention. Voilà, 13 balles. Pam. Rien en haut. Faut toujours checker hein, vous le savez. J'ai besoin d'une zone safe là en fait. Je ne vous le cache pas. Attendez, c'est moi ou... Non, c'est juste un tuyau mec. C'est juste un tuyau. Ok, c'est bon. À la sortie de cette zone, juste après que tu montes l'échelle, il y a un truc à récupérer sur un puits. D'accord. Alors, je me souviens ici, sur un puits. Hop là.
Je sais qu'on peut avoir plusieurs petits objets intéressants ici. Là. Grenade aveuglante. Là, 1000 pesetas. Et je crois qu'on peut même pêcher un poisson, hein, si je me souviens bien. Je crois vraiment. Vraiment. Tac, tac. Je crois que ça prend beaucoup de place, le poisson. Alors, à la sortie de la zone, vous m'aviez dit. À la sortie de la zone, dans un puits. Ok, sauf que j'ai envie de vous dire... J'ai l'impression qu'on sort d'un puits, non? On l'a passé ou pas? Attends, à chaque fois... Ah non, il serait juste là, d'accord. Le trésor serait juste là, ici. Ah, par contre... Examiner... Ici aussi, ça pue. Alors... Essayez de tirer sur... En fait, je... Montre gousset sale. Mais comment je pouvais... Il n'y a pas de trappe, il n'y a rien. Je pouvais pas bouger ça, non? Pourtant, j'ai tiré comme vous m'avez appris, non? Enfin, j'estime que c'était ok, non? Allez, prends les balles. En même temps, c'est complètement débile. On peut pas le nettoyer avant de le revendre, la montre à gousset, ou etc, etc, j'ai envie de vous dire. Ah bon, bref. D'accord. Et je crois que les pièges, on peut les... Voilà, nickel. Alors du coup, bonjour monsieur. Ce panneau en style d'autres pièges. Alors, fais bien attention. Par ici, ok. C'est moi, on est de retour dans la maisonnette. Non? J'aime bien le bruit, regardez, c'est bien retranscrit. Examinez. Une grosse boule de cristal, on dirait qu'elle peut tourner. Dans quel sens voulez-vous la tourner? Ah. On avait vu cet insigne, non, un moment, attendez. Là, comme ça. Attendez, faut que je regarde quel est l'insigne. Ah d'accord, il est juste là. Donc, faut que ça fasse, tac, tac, une sorte V comme ça, et de V, et de W, retourner. V et W, non, c'est pas ça. Les poissons, c'est pour te soigner, ça va te servir énormément. Ouais, mais ça prend beaucoup de place dans le dans la valise. Dans la valisette. Tire sur le bout de bois qui retient la trappe. Ouais. Alors. Ben voilà. Quelque chose s'est activé. Oh, bonjour. Ouvrir. Munition de pistolet. Oh, regardez là. Là, on va enfermer Dom là-dedans. On va enfermer Nora. Bye encore, bye Falken. Mais en fait, il y a un décalage. Monstre. Hein. C'est... Waouh. Vraiment. Alors ici, examiner. Ces livres sont tous écrits en anglais. Mais je n'ai pas le temps de les lire. Oh. Note du chef. Comme l'a ordonné Lord Sadler, j'ai emprisonné l'agent. On ne l'a pas tué, pourquoi? Je n'ai aucune idée des intentions du Lord. Je pense qu'il aurait mieux valu les séparer au lieu de les laisser ensemble comme ça. Je ne crois pas que Louis ferait confiance à un inconnu. Même s'il venait à collaborer, la situation pourrait être délicate. Si un troisième groupe est impliqué dans tout ceci, je ne pense pas que ce groupe laisserait passer une telle aubaine.
Peut-être s'agit-il d'une ruse de Lord Saddler qui consiste à nous rendre vulnérables pour, ce groupe, pour que ce groupe se dévoile, si tant qu'il existe. C'est peu probable, mais si le maître est déjà parmi nous, notre plan risque d'en pâtir. Le Lord doit estimer qu'il est justifié de prendre ce risque si on réussit ainsi à arrêter l'ennemi. Quoi qu'il en soit, sa décision est prise, nous devons lui faire confiance. Oui, comme vous dites, my bad, le décalage. Vous rendez-vous compte que là, on est à plus d'une minute. Hein. Ça en devient même, je pense, ridicule. Vraiment, sachez-le. Ok, on va sauvegarder. Ah non, j'ai une clé, d'accord. Vous avez obtenu la clé de l'insigne. D'accord. Quand tu quittes la pièce, retourne dans cette pièce après la scène. Ok. Ouvrir. Nuestro jefe se cuidará de la plaga. Si la plaga es mucho mejor que la plaga. Oh putain. You carry the same blood as us, it seems. Nevertheless, you're an outsider. Just remember, if you become unpleasant to our eyes, you'll face severe consequences. What? Same blood? Okay. Eh bien, on a fini le chapitre 2 de l'acte 1, donc on va sauvegarder. Et oui, il m'a surpris, mais faut pas m'en vouloir. Hein. Il m'a surpris, voilà, j'ai envie de vous dire. Leon, I've been able to get some new info that might help you. Fill me in. Apparently, there's a religious cult group involved. They're called the Los Illuminados. Los Illuminados? That's a mouthful. Anyway, I had an unexpected run-in with the big cheese of this village. But you're okay, right? Yeah. But he could have killed me, but he let me live. And he mentioned something about me carrying the same blood as them. Whatever that means. Carry the same blood. Huh. Interesting. Anyway, there are more important things than solving riddles right now. You're right. Hurry and find that church, Leon. Ok les amis, alors vous m'aviez dit de retourner dans la zone. Fufu est de retour. Vous m'aviez dit de retourner dans la zone. Ah ? What ? Eh ben. Une femme en rouge, ça me rappelle quelque chose. Eh ben. C'est le retour de Fufu. Alors. Ce tableau doit représenter l'église. J'espère qu'Ashley va bien. Oh. Ah oui, alors là. Salut! Oh la vache! Ça c'était génial. Examinez, ils doivent aussi utiliser des toilettes, on dirait des gens civilisés. Ben non, on est en... Mais bien sûr que non, voyons. Bref. Oh, il y a une machine à écrire. Hop! Il y a une machine à écrire. Il y a, voilà, un banquet. On dirait que les occupants de cette maison mangent comme des êtres normaux. D'accord. Il y a forcément un truc. Ouvrir, voilà. Un œuf. Un œuf brun. Mes oreilles saignent. du coup,
Du coup. Je ressors. C'est quoi ces X là qu'on voit ici là? Est-ce que vous pouvez me dire ce que c'est ces X? Ah, ça doit être pour les trésors qu'on a obtenus. Ok, très bien. Très bien, donc on ressort par là. Je vous propose qu'on examine la maison. On sauvegarde et on part en pause. Ce tableau représente un lac. Peut-être qu'il se trouve dans les environs. Allez, boum. Une grenade incendiaire. Là, ça va être bloqué. Ouvrir. Vous avez obtenu 1000 pesetas. On dirait que les résidents mettent une vie normale. Ils lisent même des livres. Waouh! Mais si tu savais, mon pauvre Leon. Leon! Bref. Je pense qu'on a inspecté toute la zone. Hop. Hop. J'aime bien ce bruit, là, le rapport avec le bruit, j'aime beaucoup. Hop. Ok, les amis. Allez, je vous propose qu'on se retrouve dans 5 minutes après la pause. Profitez-en pour vous restaurer et tout et tout. Et je vous envoie un petit peu de pub. A tout de suite. Encouragez donc à prendre un devoir de jus d'orange et de le circuler. Oh, le jus d'orange. Oh, je passe un d'agréable moment. D'agréable moment. Du plaisir avec vous, oh, mes fans. Oh, le jus d'orange. Luisant, délicieux, agréable, qui désaltère l'œsophage, en fait plaisir et réveille, on passe d'agréables moments avec un céphane en buvant un léger d'orage. C'était spécifique ça en surtout, et le jus d'orage pour ses fans.
Allez, retour le monde, j'espère que la pause s'est bien passée à vous. Bienvenue sur la Web TV de Level Learn dans cette dernière partie de ce premier live, de ce Let's Play Live sur Resident Evil 4. J'espère que vous n'êtes pas endormis, on est ensemble encore pendant une petite heure, jusqu'à 2h du matin. Et puis bah écoutez les amis, on va reprendre après la sauvegarde. Et nous avons eu un don de Paris Super 75 pendant la pause. Malheureusement avec le décalage, bah ça a été pendant l'écran de pause. Avec le message qui vole un bœuf. Tout à fait, je suis d'accord avec toi Paris Super 75. Exactement, et merci à toi pour ton don. Merci, merci, merci. Allez les amis, on est reparti dans l'exploration, on veut savoir où est Ashley Graham, la fille du Presidente des États-Unis, et on devait sortir par ici. Bam! Alors... Ah! Je suis désolé. Je suis complètement désolé. Par contre, je vois qu'on a pas mal d'herbes. Putain, puis en plus, il monte, ce connard. Attendez. Non! Putain, je veux pas. Non mais il est pas mort! Mais putain! Il est pas mort! Un rubis. Un rubis. Ça fuit la tronçonneuse, oui. Ça fuit la tronçonneuse, grenade, oui. Pardon. Non mais alors toi. Ah je suis désolé, je vous ai détruit les oreilles, mais il m'a tellement surpris le mec à la tronçonneuse. Sans blaguer, il m'a tellement surpris. Oh j'en ai presque honte, sérieusement. Et c'est Lyon Super hein, qui m'a fait un don, c'est pas Paris Super 75, hein. C'est Lyon Super. Bref, merci à toi encore, Monsieur Lyon Super. Bref, là-haut, il y a un nid. Du coup... Hop. Oh, Spinel. Toi, attends. Énorme. Je veux juste te cutter, mon gars. Non mais qu'est-ce que tu me veux toi? Tiens. Je kiffe ce jeu sans blaguer, je kiffe. Il est tellement drôle. Ah, une herbe rouge. Ok, alors est-ce qu'on pourrait pas faire... Non mais... Putain, chaque fois que je me trompe de touche, ça devient limite... chiant. Hop, donc il faudrait qu'on combine avec une herbe jaune. Mon petit cœur a fait boum boum. Boum 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 boum, c'était une musique ça. Là-haut. Oh mais c'est... Putain mais... Faut arrêter, et sérieux les gars, faut arrêter là.
Ah, voilà la cuisinière. Oh là, attendez. On pourrait peut-être équiper ça, non? Putain, il faut que j'arrête. Il est trop bien ce jeu, sans blaguer. Mais non, mais je me suis équipé. J'en ai marre. Mais putain, non. Eh, sans blaguer. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Attends, je juste... Écoutez bien ce qu'il a dit, Lord Saddler. Eh, faut arrêter de me faire des frayeurs comme ça, les amis. Hein. Sans blaguer, faut arrêter. Hein. Parce que là, entre la... Ce qu'on dit au Québec, on dit la chensa, c'est ça, je crois, un truc comme ça. Faut arrêter. Hein. Faut vraiment arrêter. Alors du coup, je vais regarder avec vous les trésors. Spinel, Ruby. Est-ce qu'on peut pas le combiner avec la shop? Non, mais ici, non. Alors du coup, ici, ça nous dit quoi? Examiner. Masque comprenant 3 orifices dans lesquels un objet pourrait être inséré. Est-ce que je pourrais vendre le rubis ou pas du coup? Non, enfin je sais pas si je pourrais vendre le rubis, on verra bien. Par contre, au niveau vie... C'est un peu juste, moi, je dis. Alors, ouvrir. Voilà. Vous avez retiré le barreau qui bloquait la porte. Ouvrir. Ok. Oh, mais non, mais encore des... Putain, mais ils sont... Attendez, mais ils sont combien, là? Non mais, please. Au bout d'un moment, les gars... Attendez, mais pourquoi ça fait un... Casse-toi de là, mec. Mais putain! Mais putain! Putain, les gars, j'étais gentil avec vous, mais là, sérieux! Mais putain! Putain, mais c'est pas normal que je galère comme ça, sans blaguer. C'est pas normal que je galère comme ça. Sérieusement, c'est pas normal. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Alors, qu'est-ce que vous dites?
putain! Mais arrêtez de me donner moi des balles, je sais pas quoi. Putain les gars quoi. Des balles. Dans la merde. Mais putain! Parce que... Attendez, mais je peux prendre un œuf doré. Non, déjà, je peux prendre ça. Voilà. Au niveau d'ici. Ok. Ça sent le fail, oui et non. J'ai envie de dire oui et non quoi. Est-ce que j'ai de nouveaux objets ou pas du coup? J'ai envie de dire, tu te prends pas la tête mec hein. C'est verrouillé, impossible de l'ouvrir. Une sorte de symbole est visible sur la porte. Vous avez utilisé la clé de l'insigne. Désolé, mais je veux pas mourir. Oh, cette musique! Putain, j'ai honte quoi, j'ai honte. J'ai pas assez de balles. De toute façon, on avait exploré la zone, hein, les amis. On avait exploré la zone, donc pour moi. Ah, je kiffe cette musique. Hop. Meurs et recommence, je pense. Tu sais ce qu'il t'attendra, tu pourrais plus économiser tes munitions. Bon, y a moyen qu'on se refasse quand même, hein, j'ai envie de vous dire. Il y a quand même moyen qu'on essaie de se refaire, quoi. Du coup, on va checker la carte ensemble. Là, il n'y a pas d'insigne. Hein. Là, il faut qu'on aille par là, voilà. Il y a un marchand et on revient ici. D'accord. Concrètement, là, c'est bloqué. Donc, pour l'instant, pour moi, on n'a pas loupé de trésor. Ça me paraît plutôt pas mal. Par contre, ce que je vous propose, au cas où si on est vraiment mal, on va reprendre directement ici, sur une autre sauvegarde. Voilà. Je sais que c'était mal joué de ma part. Je le reconnais totalement, c'était mal joué. Mais on a réussi à s'en sortir et je vous propose qu'on continue. Par contre, cette musique, elle est trop bien. Ok, alors, je sais que, normalement... Voilà. Spinel. Est-ce qu'il y a autre chose ou pas? Non. Ouvrir. Tac.
Meurer aux commandes, je pense. Tu sais ce qu'il t'attendra. Tu pourras plus économiser tes munitions. Je me rappelle plus ce qui m'attend. Je vous le cache pas. Oh. Oh. Il y a plein de trésors là. Magie, ça sent Spinel. Voilà. Ok. Alors ensuite. Une coiffure élégante. Ouais, je compte acheter une nouvelle arme. C'est vrai que j'ai envie d'acheter le fusil. Après, dans l'amélioration des armes, je vous cache pas que le fusil, il va être beaucoup augmenté. Hein. Spinel. D'accord. J'espère qu'on a tout fait. Ah. Got something that might interest you. Wouhou. Got a selection of good things on sale, stranger. J'ai des objets intéressants à vendre, étranger. Alors, étranger, ça marche avec les médaillons bleus? N'oublie pas que tu dois tirer sur 10 médaillons ou plus pour obtenir une arme spéciale. What on va regarder. Qu'est-ce qu'il a acheté? Fusil. Vas-y, prends le fusil. Oui. On va le mettre... comment je fais pour... Ah voilà, comme ça. Voilà. Thank you. Le TMP. Yes. Tu vas le mettre comme ça. Voilà. Lance-roquette, cross pour le TMP. Oui. Alors par contre... Comme ça. Thank you. Très bien. Lance-roquette, fusil lunette. Ah, j'ai pas assez d'argent, donc du coup, on va vendre. On va vendre. Rubis, grosse pierre précieuse. Spinel, on en a 5, on peut les vendre. Is that all, stranger? Thank you. Montre goussée sale. Oui. Is that all, stranger? La pierre précieuse sortant dans cette coiffure élégante en fait un objet unique au monde. La pierre précieuse sortie dans cette coiffure élégante en fait un objet unique au monde. La chope, le masque élégant. Est-ce que ça veut dire que je vais attendre votre retour, s'il vous plaît? Est-ce que je peux vendre la coiffure élégante? La pierre précieuse sortie dans cette coiffure élégante en fait un objet unique au monde. Ça veut dire que normalement il n'y a pas d'autre objet. D'autres objets insérés dedans. N'augmente pas tes armes, encore attends d'avoir les dernières. Tu vas dépenser trop d'argent sinon. Derrière l'église, il y a un trésor à récupérer. Il va y avoir une petite énigme à faire pour l'avoir. Ok. Mais j'attends d'avoir votre retour pour la coiffure élégante, parce que j'ai pas envie de faire de bêtises. Donc j'attends. Est-ce que je peux vendre la coiffure élégante et le rubis, les amis? C'est tout ce que je demande. Comme ça, ça nous fera un max d'argent. Vraiment. Tu peux la vendre. Donc la coiffure élégante. Ok. I'll buy it at a high price. D'accord. Vendre. Thank you. Très bien. Et est-ce que je peux vendre le rubis? Grosse pierre précieuse qui vaut 10 000. J'attends aussi votre retour, les amis. Pendant ce temps-là, le temps d'avoir votre retour. Le masque élégant. Non, il y a des germes à récupérer. What are you selling? Oui, le masque élégant, oui, ça, on est d'accord. La chope aussi, mais pour le rubis. Pour le rubis. Du coup, acheter. On va regarder. Lunettes pour le fusil. Is that all, stranger? Oui. Thank you. Spray de premier secours, non. Et vous me conseillez de garder mon argent, mais...
fait tellement pas de dégâts, j'ai envie de vous dire, non? En attendant. En attendant. Il n'y a plus rien ici, donc on va faire. Normalement, si je me trompe pas, on fait ça combiné avec ça. Voilà. Et je fais ça combiné avec ça. Voilà. Ruby, oui, tu peux. D'accord. Welcome. Blam. Donc, le ruby. Ah, I'll buy it at a high price. Thank you. J'ai 27 100 pesetas. On laisse tel quel ou on achète quelque chose? On verra bien pour la suite. Hop, et on continue. Ok. Alors on est où là? Te trompe pas de bouton. Ah ok, on est là. Alors moi ce que j'aimerais c'est changer d'arme. On va prendre un peu le TMP du coup. Équipé. Voilà. Et regardez-moi ça. On avec la crosse, on va être parfait. Je pense qu'on va être, ça va être super sympa, vraiment. Wouhou. Alors go. Ah d'accord, on est là. Ouais. Achète pas trop d'accessoires pour tes armes, tu n'auras plus assez de place pour tes objets, ta lunette de snipe te sert à rien. Si, pour moi, oui. Vraiment, pour moi, oui. Bref. Oh putain! Allez, viens là, mon ami. Viens là. Voilà. Ça se passe bien. Prendre une herbe verte. Bien, on se refait au niveau soin. Bam. Moi, j'aime bien les accessoires. Enfin, perso, je trouve. Des munitions de pistolet. Bien. On a plusieurs petites choses à voir. À savoir, première chose, les médaillons. Huit. Ok. Il y en a un là-bas, un petit peu plus loin. Alors, j'ai déjà vu cet insigne, peut-être qu'il change selon les tombes. D'accord. Hop, il y en a un là-haut. Ok. D'ailleurs, on va prendre le pistolet, je pense que ce sera plus judicieux. Parfait. Alors, ensuite, là. Voilà. Les jumeaux doivent être enterrés dans cette tombe. Cet insigne est un peu différent. Il varie en fonction des tombes. Donc là, on a des jumeaux... Ah, putain! Attendez, il y a du monde! Il y a du monde! Il est où? Donc là, il y avait un V. Là, il y a une sorte de bélier. Et V bélier et V bélier et Z. Oh là là. Alors Bayo, je lirai ton don juste après. Pouf. Il était beau celui-là. Là, vous pouvez me féliciter sans blague.
Les missions de TMP, yeah. Alors, nous avons un don de Bayo. Bouh, Falcon Courage. Il fait pas peur le jeu. Oui, bah toi, tu m'as fait peur. Merci, 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 merci. Ça m'a fait plaisir. Vraiment. Bref, allez. On continue. On continue. Alors. Coucou. Non mais, hé. Bien. Voilà, ça se passe bien. Ok. Très bien. Alors. Hop. Je regarde toujours, hein, vous savez, dans les nids, dans les machins, dans les trucs. Hein. Ok, ça en fait 11. Ah, ici, nous avons quoi? Impossible de l'ouvrir. Un orifice circulaire. Peut-être qu'un objet peut y être inséré. Hunnigan, it's Leon. The door's locked. I can't get in. Didn't they teach you how to pick locks at the academy? There's some sort of indentation, like something might fit inside. Well, there's no use standing around. Leon, you have to find some way or something to get inside. Ok. Donc, un objet, une clé, un troll de Bayo, un mauvais conseil de Zack sur FF ou de Cash ou sur God of War. Ouais, c'est ça, en gros. Très bien. Impossible de l'ouvrir, elle doit être verrouillée de l'autre côté. Ok. Alors toi là, qui tient la flamme olympique. Oh la vache. Comment elle a explosé. Comment elle a explosé. Non mais moi ça me fait délirer. Oh oui, là par contre j'ai vu. Là-haut. La précision quand même dans ce jeu est chirurgicale. Ok, tac. Est-ce qu'on les a tous eus? Ah, on les a tous eus pour le moment. Hey, GG. Et là, il y aurait un trésor. Alors, on avait vu, regardez. Un message dit « Trois insignes familiaux des sosies ». On dirait que le cadran tourne dans le sens des aiguilles d'une montre de 3 ou 4 cadrans. Faire tourner. Donc, nous, on avait bien compris qu'il fallait faire mettre en surbrillance le bélier, qui est à, on va dire, 4 heures. Le V, qui est juste derrière, et le Z sur lequel nous sommes. Donc, on va faire 3, ok, 4, ok, 4, ok, 1, 2, 3, 3, je sens que ça va être la galère, 4, voilà, là tu fais 3, 3, 3, 3, là tu fais 1, 2, 3, 4, voilà, et là tu fais 1, 2, 3, 4. Yes! Parfait. Œil de Chavert. Yes! Applaudissez-moi là. Hey! 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 Ok. Alors. Œil de chat combiné avec ici. Voilà, parfait. Donc finalement, nous avons la chope et le masque élégant. Allez, dites honnêtement que je vous ai surpris au plus haut point. Dites-le. Sans blaguer, dites-le. Là, je suis, mais... optimal. Je suis Optimus Prime. C'est... franchement. Salut, toi. Eh hey. Merci. Ha ha.
Ok. C'est déjà terminé? Même pas drôle. Un document. Fermeture de l'église. En ce qui concerne les deux fugitifs, le plus urgent est de capturer Loès. Le cas de l'agent américain peut attendre. Ce que Loès nous a volé est bien plus important que la fille. Si on ne le récupère pas, la fille ne servira à rien. Nous devons remettre la main dessus pour mener à bien notre projet. Si l'objet tombe entre mauvaises mains, le sort du monde pourrait être différent de ce qu'envisageait Lord Sadler. Nous devons à tout prix l'effacer. Quoi qu'il en soit, on ne va pas laisser la fille partir. Pour que l'agent ne puisse pas la délivrer, j'ai verrouillé la porte de l'église où elle est retenue prisonnière. Ceux qui veulent entrer dans l'église doivent obtenir l'autorisation de Lord Sadler. Il y a une clé derrière le lac, mais il ne devrait pas y avoir de risque. Le Del Lago a été réveillé par le Lord et personne ne peut traverser le lac. Je suis faufonateur. De plus, notre sang coule dans les veines de l'agent. Tôt ou tard, il sera l'un des nôtres. Après cela, personne d'autre ne viendra au secours de la fille. Très bien. Alors. Parce que finalement, monsieur le serpent, il est encore là. Mais si je le tue... Attends, je t'ai tué là, monsieur le serpent. Putain. Voilà, et nous obtenons un œuf de poule. Par contre, ouais, il y avait aussi ici un insigne que j'avais vu. Le début du jeu, je le connais plutôt bien. Ça va commencer à se gâter à partir de l'acte 3 où là, je vais faire beaucoup moins le fier. Franchement, je vous le dis. Du coup, est-ce que là, je peux l'avoir d'ici ou pas? Hop. Ah, attends. Ah, je l'avais là. Le bruit là. Yes! Parfait! On les a tous, on les a tous. On va prendre un peu le TMP du coup. Équiper. Tac. Et allez, on continue. On continue, on continue. Allo, lalo! Eh, lalo! Ara, lalo! Ouf. Il l'a senti passer, il l'a senti passer. Ok, 700 PC tasse. Est-ce qu'on a fini avec la zone? On check toujours qu'on est bien tout fait. Hein. Oui. Oui. Ouvrir. Oh non. Non, s'il vous plaît. On a obtenu Spinel. Je suis pas fan là. Je suis pas fan du tout. Hop. Là-bas, il y a un truc, non? Ouais, j'avais vu un truc. C'est quoi ce bruit, là? Prendre. Une spinelle. Ok. Alors, le jeu me dit d'aller par où? Ok. Elle va à l'eau? Quoi? C'est-à-dire quoi, elle va à l'eau? What the fuck? Ok, munitions de pistolet. D'ailleurs. Ok, donc là c'est fait, donc j'ai pas le choix. On a tout pris, très bien. Et donc, c'est par ici. Non, par contre, ouais.
Y a pas quelque chose là qui nous dit... Regardez, attendez. On dirait que le portail est fermé. Un instant, j'entends un grognement de l'autre côté. Ça, c'est au dosage quand il est de mauvaise humeur. Très bien. D'accord, donc je pensais que ça nous ferait quelque chose. Tac. Bien, vous voyez qu'on est bien au niveau munitions. On s'est refait, comme on dit. Oh, cette musique. Putain, sans blaguer, cette musique. Je crois que c'est la musique que j'aime le plus dans Resident Evil 4. Sachez-le. Je la trouve classe. Enfin, je sais pas pour vous, mais... Bien, des munitions de pistolet. Oh là là, regardez-moi ça. C'est tellement classe, n'importe quoi. Ok, alors, parlez. Got some rare things on sale, stranger. J'ai des objets rares, étrangers. Bravo, étranger. Je vois que tu as tiré sur un nombre suffisamment de médaillons. Comme promis, va chercher ton arme spéciale à l'écran acheté. Ne t'inquiète pas, si tu n'as pas beaucoup d'argent, je t'offre cette arme. What are you buying? Et nous avons donc, les amis, le Punisher, qui est un pistolet de 9 mm qui permet de perforer deux ennemis. Voilà l'arme spéciale dont je te parlais. Acheté. Voilà. Thank you. Est-ce qu'on a autre chose? Non. On va vendre. On va vendre déjà deux spinels. Oui. La chope, non. Le masque élégant, non. Et bah écoutez, pour le reste, c'est bon. Putain, je me dis, franchement, on a 35 000 de... On a vraiment 35 000, les amis, de... d'argent. Et je me dis, c'est tellement dommage de... J'ai envie de vous dire, je suis tellement tenté à acheter, enfin acheter. J'aimerais bien améliorer genre le fusil quoi, non? Allez, juste un petit peu d'argent, ouais. On va augmenter la contenance. Thank you. La puissance de feu. Thank you. La vitesse de rechargement. Je sais, vous n'êtes pas content. Je sais. Mais voilà. J'ai envie de vous dire, voilà. TMP, la puissance de feu. Thank you. Et le fusil à pompe, je peux pour 4900. Non, Punisher. Rien et le pistolet, la vitesse de rechargement. Je sais, je fais des bêtises, mais voilà. Je veux améliorer mes armes, hein. Clairement, c'est fait. Voilà, allez, on sauvegarde. Je sais que vous allez me taper sur les doigts, que vous allez pas être content, hein. Je le sais bien. Mais là, j'en ai clairement besoin, on nous offre la possibilité de le faire, donc... Mais moi, j'ai toujours fait comme ça, hein. Peut-être pour ça que j'ai un peu galéré aussi, parce que du coup, comme j'ai pas amélioré mes armes, ça me fait bizarre, moi, je vous dis. Ça me fait vraiment bizarre. Bref, allez, on retourne à notre occupation. La musique de sauvegarde est plus relaxante. Je ne suis jamais de mauvaise humeur. Et y a pas du tout un gros décalage. Non, hein. Mais non. Non, moi, je suis content. Qu'est-ce qui se passe? Que le monde se calme. Si. Ok. Allez, on y va. Bien. Munitions de pistolet. Bonjour à toi, Turbo Kekette. Bienvenue à toi sur le stream. Comment ça va? Allez, prends des munitions. Hop.
Très bien. Alors. Attention. Super. On a eu de la chance. On a eu de la chance. On a eu de la chance. Bah écoutez, est-ce qu'il y aurait un trésor? Il n'y en aurait rien dans la zone. Le décalage, bah non, bien sûr qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas sur Daily. Bien sûr que non. Eh là 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 là. Oh là là. Tu peux crever. Non. Alors, la blague, c'est que dans cette zone, on va utiliser le TMP. Parce que j'ai plein de balles, je sais pas si vous avez remarqué. Mais on va essayer d'un petit peu de se défaire de tout ça. Alors du coup, là il y a déjà une chose, à savoir une grenade qui est plutôt intéressante. J'ai pas envie en fait que les pièges... Oh mais non, please. Et le problème, c'est que... Oh, oh, il a plus de tête, le pauvre. Le pauvre petit. Il a plus de tête. Des munitions. Des munitions de fusil. Du coup, on va peut-être pouvoir passer ici. Voilà. Oh, le pauvre. Attendez, mais j'ai bien fait d'augmenter mes armes. Oh putain! Bon allez, je vais bien finir faire travail Photoshop et Vegas ce soir, je vais dodo. Bonne nuit à toi, Shin Sensei, et merci à toi d'être passé. Et on se voit dans pas longtemps, je pense. On se voit dans pas longtemps, ne t'inquiète pas. Hop. Alors. En effet, j'ai l'impression qu'il y a des trucs par là. Il y a un objet très important, vous me dites, à récupérer. Oh ! Putain ! Pourquoi on se l'est pris en même temps ? Bah, prends ça. Voilà. Et prends ça. Au fait, au pire, vous savez quoi ? Je crois qu'on va faire ça. Pas mal. Tu rééquipes ça. Voilà. Yep, yep. Voilà. Et il est mort. Et c'est pas fini. Non mais... Ah ouais, ok, d'accord. Donc en gros, ils arrivent comme ça, très bien. Oh non! Vite! Dégage.
puissent arriver au même moment, c'est un truc de dingue. Hein. Wow. Ok. Bon. Du coup, il faut absolument que je récupère de la santé. On n'a pas visité ici. Oh putain! Oh. Bien. Oh, ça, ça m'intéresse. Bien, 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 bien. Ok, bon, on se débrouille bien, moi, je trouve. On se débrouille bien. Et je suis finalement plutôt content d'avoir amélioré nos armes. Sachez-le. Alors, par contre, il faut vraiment qu'on prenne un œuf. Là, j'ai pas le choix, c'est par là. Ouais, bon, j'ai envie de te dire, toi... Ah, c'est quoi ça? La la la! C'était quoi? Ok, donc là on se retrouve de ce côté-là. Là. Ok. Tu es pas bien, Falken? Faut que tu manges de l'herbe. Pour l'instant, ça peut aller. Ok, donc il y aurait un trésor ici. Oh, mais non, mais... Lord Sadler, ouais. Ouf. 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 Ouh, le pauvre. Ok, finalement, on aura fait toute la zone. Très bien, mais... Pas prendre ça... Mais what the fuck? Où est-ce qu'il est? C'est très stressant, cette musique, vraiment. Alors je cherche votre nid là en fait. Si je regarde, déjà tu vas prendre ça. Et c'était la carte que je voulais voir. Donc ce serait hop. Voilà, juste là. Voilà, une pipe ancienne. Très bien. Les mecs viennent à l'infini ou pas? Ou en gros? Ouais. Quasiment, enfin oui et non, quoi. Peut-être j'aimerais bien savoir où il est. Où est-ce qu'il est? Oh putain. Ouf. Ouf. Putain. Mais faut arrêter. Non mais, please. Là, faut sérieusement arrêter. Hein. Ok, du coup. On va se soigner. Merci, on est bien. Par contre, je vois pas où est l'autre, là. Qui nous fait... Bah, il est là. Oh, bonjour, mon ami. Oh... Ça va pas? Mon dieu, ça va pas. Bien. Bien, 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 bien. Et je vois déjà qu'il est 1h49, les amis.
Alors, je tiens à vous dire que juste la semaine prochaine, il est très très fort probable que je fasse la soirée de l'horreur aussi qu'à partir de 23h. Je vous tiendrai au courant exceptionnellement pendant les deux semaines. Là, ça va, à savoir cette semaine et la semaine d'après, c'est très fort probable que ça arrive, on va dire, comme ça. Encore une fois, c'est cause d'imprévu. Hein. J'espère que ça arrivera pas trop souvent, mais bah, écoutez, hein. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire. C'est comme ça et pas autrement. Ok, alors ici. Ah, il y a une sorte de cul-de-sac par là. Toujours le rapport avec ce bois, hein. Je sais pas si vous avez vu. Alors là, il y a un truc. Non? Non, il n'y a rien du tout, d'accord. Arrête de tromper de touche. Arrête. Non, par contre, on a plein de balles, là. Ça fait plaisir. Non, il n'y a rien du tout. Alors, ici. Pas de soucis, je serai là pour le troll aussi. Eh, magnifique lésion, Bayonetta. Bon, bah écoutez, vous avez trouvé notre deuxième justicier policier. Hein. Et je crois qu'on va pas trop tarder. Tu vas avoir une bague à récupérer dans un nid. Oui, j'avais vu le trésor, justement. Alors, attendez, il faut vraiment que j'essaie de le choper maintenant. Déjà. Voilà, on est vraiment tout proche. Là, juste là. Obtenu bracelet doré orné de perles. On a eu des nouveaux objets, donc je voudrais voir là, ce que c'est cette histoire de pipe là. Cette pipe est ornée d'une gravure détaillée, espérons qu'elle vaut quelque chose. Donc, on pourra la vendre. Et ici... La conception exceptionnelle de cet accessoire en fait un objet très précieux. Donc on pourra vendre les deux. Hein. C'est bien ce que, comme ça je le comprends. Très bien. Bon. Ici nous avons des munitions de pistolet. Ici un serpent. Non. Une herbe jaune. Ok. Et puis bah écoutez... Ok. Ah, une herbe, on va pouvoir combiner. Ah, ok. Ok, très bien. Donc, on va faire ça. On va combiner nos herbes. Hop. Parfait. On va sauvegarder. C'est bien le 4 celui-là où je me trompe. Oui, c'est bien le 4, tout à fait. Bien. Bien. Hop. Et je suis en train de me dire que je stopperai bien le live ici. Alors par contre, je crois... Il y a un trophée à voir ici. Un succès, un trophée. Alors si je meurs, c'est normal. Mais je fais ça pour le succès, quoi. De toute façon, au pire, ça comptera pas.
Voilà. Voilà, voilà, voilà. Très bien. Et ça rapportait bien un succès. Ne tirez pas dans l'eau. Tirez dans le lac pour attirer son gardien. Voilà, les amis. Eh bien, écoutez, à vous sur YouTube. J'espère que ce premier épisode vous aura plu. N'hésitez surtout pas, comme d'habitude, à partager, liker et commenter la vidéo. On se retrouve logiquement la semaine prochaine pour la suite de nos aventures. Je vais vous faire des bisous. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part, entre guillemets, de vos suggestions, à savoir sur ce qu'il faut que je fasse pour les trésors, quelles sont vos suppositions pour la suite du scénario, etc., etc., etc. Allez les amis, gros bisous, bye tout le monde.